Ok, donc, on va vous montrer une autre base. Ça s'appelle Enchufela Finta. Donc, ça fait partie des bases. Là, avec Enchufela Finta, on peut faire pas mal de passes plus tard, comme Kentucky, etc. On va voir plus tard ça. Enchufela Finta, comment ça marche? Enchufela, on sait faire, les garçons. Pour vous, les filles, ça nous passe. C'est exactement la même chose que Enchufela. Vous ne changez rien. Nous, les garçons, je le fais, je le dis juste après. Enchufela Finta. Donc, ça donne 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. J'explique comment ça marche. Si je veux rester face ici, donc normalement, 1, 2, 3, je passe l'autre côté de mon partenaire. Imaginez ma partenaire est là. Je croise mon pied droit en arrière sur le 5. Vous voyez, je croise en arrière sur le 5. Je me baisse un petit peu pour que ça soit à l'aise, ma partenaire. Elle soit à l'aise. Je tourne à ma droite sur le 6. Et 7. Ok? Donc ça, c'est finta. Pendant qu'on tourne à droite, ça s'appelle finta. Si je reste dans cette position-là, imaginons que je suis face à ma partenaire. Je dois passer de l'autre côté de ma partenaire. Donc, je fais 1, 2, 3. Imaginons que j'ai passé de l'autre côté de ma partenaire. Sur le cinquième temps, je pose 5. Je tourne à ma droite sur le 6 et 7. Je récupère en 10 de kéno. Je l'emmène ma partenaire à gauche. Donc je répète, maintenant je vais faire dans l'autre position, je passe l'autre côté de ma partenaire. Donc imaginons ma partenaire elle est là, je la positionne. 1, 2, 3, je passe l'autre côté, en partant. Ici, 1, 2 et 3. Vous voyez, donc ma partenaire, je l'emmène passer de l'autre côté, je croise pied droit sur le 5, je tourne à droite sur le 6 et 7, je récupère en 10 les kénons, je l'emmène ma partenaire ici. Répétez ça plusieurs fois d'abord. En mode solo, les garçons seulement tout seul. Après, vous faites avec votre partenaire. On garde la main dans cette position. La console, la main tourne à l'intérieur de la main de notre partenaire. Et je fais là 3, je tourne à droite. 5, 6, 7, je récupère les pieds. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Les filles, vous continuez votre mouvement. Comme d'habitude, vous faites un chouffada basique. N'arrêtez pas. 5, 6, 7. Vous gardez les pas. Ok, 5, 6, 7. Nous les garçons, on va le refaire ici, ça donne 1, 2, 3, je retourne, 5, 6, 7, dis les kénons, 1, 2, 3, 5, 6, 7. On va le faire une dernière fois, cet côté-là, on ralentit, 1, 2, 3, je croise pied droit, je tourne à droite, 7, je récupère, 10, les kénons, 5, et 6, et 7. Dernier point très important, les garçons, très souvent, on est beaucoup plus grand que notre partenaire dans une soirée. Si vous faites cette position-là, donc je le fais, si vous faites comme ça, 1, 2, 3, 5, 6, 7, vous voyez votre partenaire comment elle se trouve, elle est là. C'est pas joli, le 1, 2, elle est mal à l'aise, donc si elle est mal à l'aise, elle ne prend pas le plaisir de danser, c'est voilà, on ne fait pas tout simplement. Par contre, donc, on était dans cette position-là, on se baisse un petit peu. Maintenant, la vraie position qu'on va faire, si votre partenaire, il est beaucoup plus petit que vous, 1, 2, 3, regardez, je baisse 6, je remonte. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Retravaillez plusieurs fois cette passe-là, comme ça vous allez passer en étape suivante. Ok, parfait, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On active la notification. Dès qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sort, vous êtes au courant. On va mettre notre lien d'eau, notre page Facebook, le lien d'eau, notre site. Internet. On est en train de donner pas mal de cours d'eau, salsa, bachata, kizomba, etc. à Paris. Si vous avez besoin des informations, donc allez-y, regardez soit notre page de Base School sur Facebook, soit vous allez voir notre site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez juste un message sur notre page Base School, on vous répond très rapidement. Merci et à bientôt.